Bientôt la fin de l'argent liquide, va-t-on nous imposer l'euro numérique? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour cet exercice, ce tirage de cartes, pendant lequel nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'évolution du projet des gouvernements de nous faire passer complètement à l'euro numérique. Et de ce fait de supprimer au fur et à mesure et de plus en plus l'utilisation de l'argent liquide. Donc évidemment, une des choses à faire, et dites-moi dans les commentaires si vous le faites tout le temps ou un petit peu, ou etc., est-ce que vous pensez à sortir de l'argent liquide en début de mois ou en début de semaine pour faire vos achats, ou est-ce que vous êtes effectivement un gros consommateur de cartes bleues, voire même de paiements avec le téléphone, ou encore mieux, alors encore mieux, bon, tout est relatif, hein, j'ai vu ça effectivement souvent maintenant, surtout les jeunes payent avec leur montre, puisqu'ils ont une montre connectée, donc c'est waouh, c'est assez waouh. Voilà, donc est-ce que vous pensez bien chaque semaine ou chaque mois, à tirer du cash pour payer, j'en sais rien, votre pain, vos fruits et légumes, etc. Ou est-ce que vous êtes quand même accro à la carte bleue? Alors moi, j'avoue que j'essaye d'y penser de plus en plus, mais je suis de cette génération qui est née avec une carte bleue à la main, si je puis dire. Et il est vrai qu'il y a des habitudes qui sont difficiles à changer. Or, je pense que c'est quand même le meilleur moyen de résister. Alors, l'avantage, à ce qu'ils nous disent, de la monnaie numérique, c'est qu'effectivement, si on n'a plus d'argent dans notre portefeuille, dans notre porte-monnaie, dans notre sac à main, dans nos poches de jeans, eh bien, on ne pourra plus se faire voler, on va dire, dans la rue, par exemple. Oui, ça, c'est sûr, c'est un avantage. Maintenant, il y a aussi de nombreux inconvénients, à savoir que tout ce que nous faisons est absolument tracé, d'une part, que certains arrangements ne pourront plus être conclus. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, ils sont mignons, eux, s'ils font ça, et ben, comment eux-mêmes vont-ils faire pour continuer à faire passer des valises et autres? Alors, vous savez qu'il existe beaucoup d'autres types de monnaie hein, pour faire ce genre de choses, et entre autres, par exemple, l'or, l'argent, et tout un tas d'autres métaux précieux, on va dire, auxquels nous avons, nous, petits sans dents, beaucoup moins accès facile. Allez, on va aller voir. N'oubliez pas de mettre... Oups, qu'est-ce que c'est? On va nous parler vaisseau. Ah oui, bah c'est ça. On va être regardé à la loupe. Et puis, ça nous parle effectivement aussi d'étrangers, de commerce. Évidemment, le commerce avec la carte du vaisseau ou du navire. Allez, on y va. Allez, évolution du projet, pendant que je pose les cartes. Donc le petit pouce, le petit like, le petit commentaire, on y va. L'évolution du projet. Hein. Donc je me mets bien du côté du projet de passage 100% à l'euro numérique. Allez, où est-ce qu'on en est? Difficultés éventuelles. Pour son présence, le résultat et une indication de l'ambiance plus... général, générique. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un labyrinthe. Bon. Alors, ce que ça a l'air de nous dire... Attends, je me rapproche. Voilà. Ce que ça a l'air de nous dire, c'est que ça ne va pas être une mince affaire à mettre en place. Hein, voilà. Et qu'il y a des contours, des détours, des gens qui sont un petit peu paumés. Néanmoins, on aperçoit ici tous les réseaux, hein, donc les réseaux Internet, les connexions, les réseaux d'ordinateurs, etc. Et on voit effectivement, avec le Normand Galactique, qu'il y a quelque part un projet qui se dessine, vous voyez, avec une certaine lumière, alors peut-être la sortie au bout du tunnel. Donc, il est possible qu'ils arrivent. Alors, il y a déjà, on va dire, une contrainte technique pour eux, hein, pour le système bancaire. Et puis ensuite, on ira se mettre du côté du peuple. Mais là, on va déjà voir où la coquine Alma qui me met ses poils partout. Alors, on y va. Bon. Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors... Avec le cercueil, on pourrait se dire « Ah, ben chouette, ce projet est au point mort. » Alors oui et non.
J'ai envie de dire oui, on voit effectivement avec le labyrinthe que c'est quelque chose d'assez compliqué. On peut se dire aussi que c'est un projet mortifère, hein, assez morbide, qui pourrait tuer quelque chose. Alors notre économie ou l'économie à venir, c'est une possibilité. Mais la carte du cercueil nous parle aussi, donc évidemment, donc nous parle de fin, nous parle de perte, mais nous parle aussi de transformation. Donc là, il y a tout de même un projet de transformation. C'est parce que c'est notre projet, aurait dit qui vous savez. Il y a quand même ce projet, bon, qui pour l'instant est encore, comment dirais-je, relativement secret, hein, puisqu'on voit qu'il est enfermé dans ce cercueil. Ce qui pourrait aller contre ça, c'est un coup du hasard. Alors lequel, je ne sais pas, mais il y a effectivement quelque chose qui risque de se produire ou qui est en train de se produire, mais bon, là, on est plutôt dans le futur, et qui va leur mettre un petit peu, je dirais, des bâtons dans les roues concernant la suite de ce projet. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, les BRICS? Est-ce que quelque chose va se jouer au niveau des nouvelles élections américaines, hein? Parce que, bah, on le sait, hein, on dépend grandement, évidemment, des États-Unis et du bon vouloir du pays de l'oncle Sam. Ça, c'est une chose. Après, il peut aussi se passer un autre événement, je sais pas, un krach boursier ou quelque chose. C'est possible. Néanmoins, on ne va pas se réjouir trop vite parce que nous avons la carte du cavalier et c'est une carte qui nous indique qu'ils n'ont quand même pas, enfin qu'ils ont l'intention de ne pas lâcher l'affaire. Parce que, donc vous voyez, donc il y a plein de papiers là qui... Attendez, je vous l'approche, voilà. Vous voyez, il y a plein de... C'est bon la mise au point, ouais, c'est pas simple. Il y a plein de papiers qui arrivent. On va effectivement nous annoncer quelque chose, hein. La carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles, mais c'est aussi une carte qui nous parle de progrès et de dynamisme. Donc, j'ai envie de dire, ça n'est pas prêt d'être fini. Et puis là, eh bien, nous voyons donc cette dame, alors on aurait pu tirer un animal, hein. Vous voyez, un animal, une sorte de hyène peut-être, vous voyez, par exemple, le symbole, donc cette dame nous représente, donc, une dame en particulier représente aussi peut-être un pays, représente une union de pays, hein, vous avez compris, avec des drapeaux, des étoiles, tout ça, tout ça. Et là, nous avons quand même la cigogne. Donc la cigogne, c'est pareil, c'est du changement, alors des choses qui bougent évidemment, donc des choses peut-être qui risquent de se produire aussi, alors pas seulement en France, parce que de toute évidence, si on passe à l'euro numérique, c'est une histoire européenne, hein, comme son nom l'indique, hein, euro, Europe, tout ça, tout ça, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Donc c'est toujours dans les tuyaux, ouais, c'est toujours dans les tuyaux. Je vais demander au Béline Galactique s'il a d'autres précisions à nous apporter. Vous ne voyez pas, mais je suis au-dessus de ma bougie. Allez. Alors, comment va évoluer le projet du passage en 100% à l'euro numérique? On va voir si le Béline a des informations complémentaires à nous adresser. Et là, nous avons, ouais, voyez, nous avons la nativité. Hein. Donc la nativité, ça rejoint un petit peu, alors bah, non pas le cavalier, hein, parce que c'est différent, mais effectivement, ça nous parle d'un nouveau projet et ça nous parle encore de dynamisme. Vous voyez, ce sont des cartes, le cavalier comme la nativité, des cartes de mouvement. C'est un peu, enfin, c'est pas que c'est un peu similaire, mais oui, il y a quand même des points communs. Il n'y a rien à faire, ils ne lâcheront pas. Ouais, alors, bon. Qu'est-ce
qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons la carte du départ. Alors, c'est une carte lunaire. Alors, ça, c'est rigolo. Enfin, bon, en même temps, c'est un peu les petits frères. Hein. C'est normal qu'ils se ressemblent, les galactiques. Il y a... Donc, bon, c'est la carte du départ, mais c'est une carte aussi, pareil, de mutation. C'est un petit peu comme le cercueil avec la carte de la transformation. Là, ça nous parle d'une mutation. Ça nous parle aussi d'un envol et d'une certaine séparation. Alors, avec un éloignement. Donc, ce que ça me dit, c'est, comme ça rejoint un petit peu, évidemment, l'idée du cercueil, c'est qu'il y a des choses en mutation, des choses... dans les tuyaux. Pour le moment, c'est encore un petit peu caché. Hein. On est sur une carte, vous voyez, le départ, c'est quand même à la tombée de la nuit, hein, dirons-nous, dans un univers un petit peu particulier. Mais je vous dis, il ne lâche pas l'affaire. En face, dans ce qui va contre, donc cette fois-ci, là, nous avons la carte des honneurs. Alors, plusieurs choses. Où cela peut nous parler de pays, je dirais, avec des rois, en fait, en place. Ça, c'est une possibilité que nous ayons, enfin, qu'ils aient en difficulté certains pays, voilà, un petit peu plus, voilà, des pays, je sais pas, avec de la monarchie. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis aussi, la carte des honneurs, c'est la carte qui nous parle des valeurs morales. Donc, peut-être qu'il y a, va y avoir ça va coincer aux entournures, on va dire, aussi en raison de soucis, si je puis dire, de valeurs morales. Maintenant, une fois de plus, là, nous avons dans les forces en présence la carte des plaisirs. Bon, alors activité artistique, joie, etc., oui, ok, mais une jolie musique. On va nous faire effectivement... on va nous partager, voilà, une jolie musique sur tous les bienfaits d'utiliser l'euro numérique. Donc ça, c'est une grande possibilité. Hein. Vous savez qu'ils aiment beaucoup nous raconter de très très belles histoires. Donc libre à nous de les croire ou pas. Maintenant, là, bon, alors, vous voyez, bon, malheureusement, j'ai envie de vous dire, on a effectivement la carte de la beauté qui est, voilà, en centrale. Donc, bon, bien sûr, c'est une carte très belle, hein, dans le Béline, mais maintenant, ça nous parle quand même de vitalité, ça nous parle quand même d'une sorte de victoire. Ils vont continuer leur projet. Ils vont continuer leur projet, même si la dame, pour je ne sais quelle raison, il va y avoir un imprévu, ça ne va pas se faire tout seul, des remises en question... voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Alors pour l'instant, les cartes ne nous disent pas spécifiquement pourquoi, mais il va y avoir un accident, un imprévu qui risque de retarder ce projet. Et cet accident, vu qu'il arrive là avec cet orage, cette foudre, est-ce que c'est tout... Parce que là, ça nous parle de chaos. Hein. Ou alors, les cartes nous disent, oui, effectivement, que tout cela va apporter peut-être un chaos. Et que, à plus long terme, il y aura un retour au calme et à la sérénité. Parce que là, on voit qu'il va y avoir quand même certaines difficultés pour mettre ça en place. Mais, oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est que là, oui, c'est plutôt comme ça, effectivement, qu'il faut l'interpréter, je pense. C'est que le résultat, donc voilà, ça va amener un certain chaos. Bon, alors maintenant, on va aller voir du côté du peuple, c'est-à-dire nous, les sans-dents, comment il dit l'autre, les gens d'en bas, c'est ça? Les gens d'en bas. C'est nous, les gens d'en bas. Alors, ah là 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 là. Allez, on va aller voir. Alors bon, je vais miser sur la France, mais c'est vrai que ça concerne probablement l'Europe. Hein. Allez. Comment se sentent les Européens, et en particulier les Français, par rapport à ce projet d'euro numérique? Hmm.
vient de tomber. Oh non, il y en a trop là. Ah bah oui. Un pont, une montagne et la loupe. Donc, on a de nouveau, vous voyez, des choses qui vont être regardées à la loupe sur ce nouveau projet qui va voilà, d'une monnaie à une autre avec des difficultés. Ok. Allez, on va aller voir. Bon, alors là, le message, il est très clair. Les Français, hein, les Européens, évidemment, ne veulent absolument pas de ce projet, puisqu'ils nous avons la croix. Et nous voyons effectivement que ce projet risque d'être vécu par les Européens comme une grosse épreuve. Une grosse épreuve, des difficultés et beaucoup de souffrance. Ouais. Alors, par rapport à ce projet, nous avons la carte du monsieur. Alors, évidemment, c'est une carte qui, bon, dans le jeu, compte tenu du climat, peut représenter effectivement Macron, mais qui représente surtout la force masculine. Donc, les atouts virils, en tout cas, que l'on attribue aux hommes. Hein, ok, donc les féministes, ne me tombez pas dessus. Merci, bien cordialement. C'est-à-dire, voilà, la force, le courage, la détermination, la protection, ce genre de choses. Donc, on voit une énergie masculine se mettre en place concernant ce projet. Ça va être, on voit que ça va être assez difficile avec la carte d'Ulysse, parce que il y aura comme, en même temps, un manque de sagesse dans l'accueil hein, du projet, puisque la carte d'Ulysse, c'est la carte de la sagesse. Pour moi, c'est aussi une sorte de carte qui représente justement les politiques, un petit peu l'administration. Alors bon, c'est pas... Mais c'est vraiment ça, c'est le côté pouvoir, en fait. On voit que ça risque effectivement d'être compliqué. Et là, la carte du vaisseau nous parle de mouvement à venir. De choses peut-être qui vont venir aussi de loin. Donc peut-être que nous ne serons pas les seuls Français à réagir, hein, parce que bah, le vaisseau, c'est l'étranger, c'est la distance, etc. Évidemment, ça nous parle de commerce. Donc il y aura peut-être un sursaut, je vous l'ai dit, d'utilisation de certaines monnaies liquides, ou peut-être de troc ou autre, entre nous, les Européens. Mais là, c'est quand même très problématique, on le voit. Hein. On le voit, là, nous, les Européens, sommes vraiment à la croisée des chemins par rapport à ce projet d'euro numérique. Et on voit que ça nous angoisse quand même beaucoup, beaucoup. Avec la Lune, c'est très compliqué. Et la Lune, donc, nous parle de nos émotions et nous parle aussi d'un cycle. C'est un peu ce sentiment, en plus avec la croix qui est là. Il y a comme une sorte de crainte de cette fin d'un cycle. Parce que là, si effectivement l'argent liquide venait à disparaître, ce serait particulièrement problématique. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, s'il n'y a plus d'argent liquide, s'il n'y a plus d'euros, comment on fait pour se déplacer, etc. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire que c'est très simple. Hein. Si tous les pays d'Europe font ça, eh bien, on paiera avec notre téléphone et notre euro numérique certifié, avec notre identité numérique, notre photo, notre iris ou notre empreinte digitale, et puis ça pourra aller partout. Et puis, si demain, nous voulons aller hors Europe ou aux États-Unis ou en Russie ou que sais-je, eh bien, il nous suffira, hein, va-t-on nous dire, de nous servir de notre portefeuille numérique et puis d'aller dans la banque, dans une banque aux États-Unis et puis de faire du change, pourquoi pas. On voit que c'est un gros sujet d'angoisse. C'est un gros, gros sujet d'angoisse chez les Européens qui risque effectivement
de trop nous perturber, de nous faire manquer un petit peu de sagesse pour le coup et de recul par rapport aux événements. Mais j'ai vraiment l'impression que les Européens ont pleinement conscience de l'importance de ce projet en fait et des conséquences si ce projet devait absolument aboutir en totalité, hein, j'entends. Ouais, et voilà. Et donc dans ma tête, c'était quelle serait notre réaction, la réaction du peuple. Eh bien, nous voici avec la carte de la force. Donc mes beaux divins, je ne vais pas faire une vidéo plus longue pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je creuse. Dites-moi vos ressentis par rapport à ce projet. Comment est-ce que vous vivez la chose? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous faites partie des gens que cela angoisse? Voilà. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça et si vous avez éventuellement des idées ou des suggestions à faire pour ou valider ce projet, hein, parce que voilà, c'est peut-être finalement un très bon projet, ou alors aller contre. Alors j'ai envie de dire évidemment en restant courtois, hein, même si nous avons la carte de la force qui est là, on se doute bien de toute façon, vous le savez, hein, tout est compliqué, hein, et le gouvernement, les gouvernements, hein, arrivent néanmoins à passer. Alors, hop, comme ça, là, pendant qu'on dort ou pendant qu'on est en vacances l'été, enfin pour ceux qui ont encore les moyens de partir en vacances. Mais là, la force n'indique rien de très très bon, évidemment, rien de calme. Voilà. Et là, ouais, sur la réaction des gouvernements, on a la papesse avec effectivement des choses cachées. Et puis bah, la papesse, bon alors ça n'est pas l'impératrice hein, évidemment, mais nous avons quand même ce drôle de personnage bien assis sur son trône, hein, bien assis sur son trône. Vous voyez à qui je fais référence. Allez mes beaux divins, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Voilà, et les cartes nous indiquent en dos. Qu'il va être important de bien communiquer, de mettre de l'eau dans son vin et vraiment d'être très prudent sur la communication. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt, merci de votre fidélité. Au revoir.